Bonjour, bienvenue à votre émission Azul Rencontre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage extraordinaire, mais vraiment, il a eu un parcours incroyable. Il a été un enfant de rue, il a fini dans un manoir que vous pouvez voir derrière moi. Je m'apprête à franchir le seuil de la porte du salon de l'homme incontestablement le plus célèbre du siècle passé, voire même d'aujourd'hui. Je suis venu à la rencontre de son esprit puisqu'il n'est plus de ce monde. Vous ne l'avez pas reconnu? Je vais vous donner encore un indice. Lors de sa rencontre avec Albert Einstein, qui lui avait dit « Ce que j'admire le plus dans votre art est son universalité. Vous ne dites pas un mot, pourtant tout le monde vous comprend. » Et notre célébrité lui tient à peu près ce langage. « Votre gloire est encore plus grande. Tout le monde vous admire, mais personne ne vous comprend. » Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vais bien, merci. Super. Alors on va visiter le Chaplin's manoir, World, le Chaplin's manoir World, de Chaplin. Le manoir, le musée. Ça, je me réjouis déjà. Allons-y. Donc là c'est l'entrée. Là c'est l'entrée et là vous voyez directement le manoir. Le manoir, le magnifique manoir. C'est ça. Mais dans le musée, c'est des transformations effectivement. Alors depuis 2016, il n'y a pas eu vraiment de changement du contenu du musée, à part l'exposition temporaire qui est au dernier étage. Cette année, c'est sur Louis de Funès et Charlie Chaplin. Ah. Alors je suis devant la grotte d'Ali Baba, cinématographique avec Olivia. Nous allons pénétrer, c'est ça? C'est ça. Et que vous allez nous dévoiler tous les secrets. Tous les secrets. Alors, donc nous allons réellement, parce que j'ai utilisé une métaphore. Nous allons Mais on va vraiment entrer dans la maison de Chaplin. Voilà. Voilà, suivez-nous. Donc ça, c'est des statues qui ont été faites avec l'expertise du musée Grévin de Paris. Mmh. Donc on voit que voilà, c'est réaliste, c'est à taille humaine. Et voilà, donc il y en a plusieurs dans le musée. Il y a Chaplin, mais il y a aussi d'autres acteurs et d'autres personnalités qui ont pu participer à la vie du manoir et à la vie de l'artiste. Ils sont arrivés en Suisse, en Europe en 52 et ils ont emménagé en début 53 avec leurs enfants. Vous savez comment il a trouvé ce manoir? Alors en fait, donc, quand il est parti des États-Unis sur le bateau pour aller faire la première des Lumières de la Ville à Londres, il a eu l'annonce qu'il n'allait pas pouvoir revenir aux États-Unis, que son visa était banni des États-Unis. Et donc il a décidé de venir s'installer en Europe. Et ils ont cherché des maisons en France, en Angleterre, un peu partout. Et puis un ami lui a dit qu'il y avait cette petite maison, sur les hauts du lac Léman, qui pouvait potentiellement être bien pour sa famille. Ils sont venus visiter et quand vous allez voir la vue qu'on a dehors, vous comprendrez vite que effectivement c'était idéal pour s'installer ici. Donc voilà, là vous avez vraiment toute sa vie avec les grandes dates et les grands films qu'il a fait et on peut voir qu'il a eu une vie quand même bien remplie. Une carrière bien remplie. On peut peut-être vous montrer les dates charnières de sa vie. Oui, bien sûr. Bon, alors la naissance, voilà, il y a quand même en 1921 Le Kid, donc un de ses plus grands films qui est sorti, suivi des Lumières de la Ville, qui est donc le film qui a fait que. Le Kid,
qui a été précédé par la mort de son fils. Après, vous avez les Lumières de la ville. Les Lumières de la ville, oui, c'était un film aussi très important et qui a eu beaucoup de, qui était très connu aussi de Chaplin. Mais après, on a le, bah, évidemment le Dictateur en 1940, qui est un des films les plus connus de Chaplin, évidemment. Et qui lui a, voilà, qui lui a valu beaucoup de problèmes parce que suite à ce film-là, c'est là qu'a commencé un peu les discussions sur le fait est-ce qu'il est communiste, est-ce qu'il n'est pas communiste, est-ce que voilà, et qui a engendré un peu de soucis pour lui, mais qui est quand même un de ses grands films aussi qui est encore, reste encore dans et les. Le communiste à l'époque aux États-Unis, c'est une hérésie. Ah oui, ouais, voilà. Vous pouvez nous dire où sommes-nous ici? Alors là, on est dans une des pièces les plus importantes pour Chaplin. C'était son bureau et la bibliothèque. Et on a essayé de le garder à peu près comme il l'était à l'époque, évidemment. Donc le bureau, c'est son bureau. L'agencement des meubles, ça a été créé voilà, comme c'était. Évidemment, toute la décoration a été un peu refaite pour le musée, mais voilà. Et donc c'est ici qu'il a créé, qu'il a écrit les deux derniers scénarios de ses films. Plus le troisième, le The Freak, qui a jamais été tourné et qui n'a jamais sorti. Et on quitte le bureau pour arriver voilà, dans le salon. Dans le salon, effectivement. Et quand il est énervé, j'imagine qu'il ferme la porte. Oui, alors là, il y a effectivement la porte, là, il n'y en a plus maintenant, ouais, mais il y avait la porte, ouais. Et puis on fermait les portes. Et il laisse les enfants jouer. Il laisse les enfants jouer, se débrouiller, et lui, il était enfermé dans son bureau pour écrire et travailler. Et là, nous sommes et donc, dans là, le salon. On est dans le salon, donc lieu de vie de la famille, mais aussi lieu de fête où il y avait souvent des invités, des musiciens. Voilà, c'était vraiment, vivant. C'était vivant, ouais, il y avait des gens, on s'ennuyait pas. Et là, vous avez le premier violon de Chaplin qu'il a acheté à l'âge de 16 ans. C'est lui qui, avec lequel son frère a appris. C'est possible, oui. Et alors, un petit fun fact, il a dû le réaccorder, parce que comme Chaplin était gaucher, il a dû inverser toutes les cordes pour que ce soit, pour qu'il puisse jouer de manière comme il était gaucher. Et là, les visiteurs peuvent s'asseoir ? Alors là, on peut s'asseoir sur celui-là. Les deux, voilà, ici, sont des originaux, donc là, non. Là, voilà, là, vous pouvez vous asseoir et vous dire, bon, voilà, j'attends, je vais boire le café avec Chaplin, qui va débarquer au coin de... voilà, exactement. Donc, il y a quand même pas mal d'objets qui sont d'origine. Le piano aussi, qui a été acheté par Chaplin et beaucoup joué par Clara Askill, qui était donc une grande amie de Chaplin et une grande pianiste à l'époque. Après le salon, on va arriver... Dans la salle à manger. Dans la salle à manger. La famille est nombreuse, la table est forcément... Voilà. Donc, 8 enfants, il fallait effectivement une grande table, plus les deux parents. Et donc, ils prenaient le repas toujours tous ensemble. Et il y avait interdiction de parler français. Parce que Chaplin ne parlait pas français. Ouais, sinon, donc à table, personne ne parlait français, tout le monde parlait anglais. Là, vous avez l'arbre généalogique de Chaplin. Donc Chaplin au centre, évidemment. Et puis avec ses enfants et ses petits-enfants ici. Ça, c'est ses parents. Ça, c'est ses parents. Ça, c'est donc sa première, deuxième, troisième et quatrième femme. Et puis après, il y a jusqu'aux arrière-arrière... grands-parents. Et là, c'est sa salle de bain. Là, c'était une salle de bain, oui. Alors, je vous laisse aller vous mettre à côté de notre ami Einstein. Et là, vous êtes dans la chambre de Chaplin. Avec... donc ça, c'était son lit, son fauteuil, voilà, des portraits de lui, de son plus jeune âge jusqu'à la fin. Et puis, un peu des objets de sa vie personnelle. Donc, vous avez des passeports, vous avez... le certificat de mariage, voilà, vous avez un peu des objets personnels de la famille. Passeport anglais. Passeport anglais, oui. Il n'a jamais eu le passeport américain ni le passeport suisse. Et le permis d'établissement. Et le permis pour livrer pour étrangers en Suisse, voilà, exactement. Ici, c'était la chambre de Una, qui a été un peu transformée en... Voilà, c'est un peu... hommage à Una, donc là vous avez des photos de sa vie aussi. Et puis comme c'est elle qui faisait tous les films de la famille, on a voulu représenter un petit peu ça avec le projecteur. Et là vous avez sa caméra,
qu'elle utilisait donc, pour faire tous ces magnifiques films de famille. Vous avez consacré cet espace à présenter des expositions temporaires. C'est ça, exactement. Donc cette année, l'exposition temporaire, c'est Charlie Chaplin et Louis de Funès. Et donc en fait, les deux ne sont pas de la même époque, évidemment, mais vous allez voir que de Funès s'est beaucoup inspiré de Chaplin. Il le dit d'ailleurs que Chaplin était le plus grand acteur et le plus grand cinéaste. Le geste et la parole. Oui, parce que Chaplin, dans ses premiers films qui étaient muets, le seul moyen d'exprimer, c'était par le geste. Donc les expressions corporelles, les grands gestes, les expressions du visage, et tout ça. Il n'a jamais parlé. Parce qu'il n'a pas parlé dans ses films au début. Et de Funès est arrivé avec la couleur et les films parlants, donc il y avait la parole. Mais il y avait quand même cette expression corporelle. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu certainement des films de Funès. Ouais, il y a beaucoup de danse, de gestes, d'exagération, d'expression du visage et tout ça. Lui, là, il parle et Charlie Chaplin n'a jamais parlé. Voilà. Chaplin ne s'est pas inspiré de Funès parce que voilà, l'inverse ne fonctionne pas. Mais ils ne sont pas très grands. Hein. Ouais. Mais ils ont des grandes personnalités et beaucoup de talent. Et ils sont arrivés au cinéma d'un coup de théâtre comme ça, hasardeusement. Oui. Le succès est venu comme ça. C'est ça. Et c'est vrai que les deux ont eu aussi une vie avant, une vie similaire. Similaire, ils sont les deux, ils sont venus de la pauvreté, de la difficulté. Il y avait le père qui était absent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ont eu une vie assez similaire. Ouais, ils ont créé leur propre joie, ils ont créé leur propre personnage. Ouais. Et ils sont arrivés au... Parce que De Funès était aussi un des acteurs les plus connus de France. En France, Donc ils sont partis de rien pour arriver au top, quoi. Au top, effectivement. Voilà. Ils pourraient être ici, là, maintenant, avec nous. Donc là, vous avez vraiment des photos d'extraits des films de l'un et de l'autre. C'est le musée qui a tout préparé ou vous Non, alors c'est le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël qui a fait cette exposition a été l'année dernière au musée de Saint-Raphaël et elle est venue ici cette année. Donc c'est la commissaire d'exposition du musée Louis de Funès qui a créé cette exposition pour nous. Et la précédente, c'était laquelle? Avant ça, c'était The Freak, justement. Sur le film, le dernier film de Chaplin. Donc vous avez ici aussi des documents originaux de Funès, un scénario, et puis des carnets de notes où il écrivait ses idées et tout ça. Donc ça, c'est le scénario de La soupe aux choux. Où il a, c'est pas lui qui écrivait ses films de Funès, c'est lui, il recevait le scénario. Puis après, il faisait des annotations, on disait, voilà, moi, je préfère faire comme ci, comme ça. Mais donc c'est ça aussi un peu la différence, c'est que Chaplin, lui, écrivait ses scénarios, il était derrière la caméra, il était l'acteur, il faisait la musique, il faisait tout. Le montage aussi. Voilà, le montage, le casting et tout. On a reconstitué fidèlement la rue Easy Street dans laquelle Charlie Chaplin a évolué. Vous pouvez voir les magasins de l'époque. Nous allons aussi vous montrer sa maman, qui est ici. Et vous avez aussi le policier, qui est très récurrent dans les films de Charlie Chaplin. Et je vais vous montrer un petit garçon. Venez par là, vous allez voir. Jackie Coogan, qui avait joué le rôle de l'enfant dans The Kid. Donc là, vous êtes vraiment comme si vous étiez sur un set de tournage d'un de ces films hollywoodiens, dans un studio de tournage. Et alors, je vous laisse entrer dans la petite cabane et puis allez vous mettre tout à droite là-bas. On va voir si ça... on a recréé un peu la cabane et la maquette qu'il avait fait pour la rue Vers l'Or, qui est donc une cabane qui bouge comme ça sur une falaise. Et ça plaît beaucoup, ça, cabane qui bouge. Les roues des temps modernes. Vous pouvez aussi aller vous installer à l'intérieur du rouage. En fait, vous vous allongez là et vous tenez la barre ici, là. Comme ça? Voilà.
Ah. Là, vous avez la partie vraiment montage et création du film. Donc là, vous avez des données sur ces plus grands films. Vous pouvez voir un peu les machines qu'on utilisait à l'époque pour monter, pour couper, pour éditer, etc. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc vous aviez des bandes de films comme ça, voilà, il fallait trouver... où est-ce que je dois couper pour enlever telle ou telle scène Alors là aussi, vous êtes dans la reconstitution du barbier du dictateur, donc la scène du barbier. Et là, c'est son frère Sidney qui tient la caméra. Si vous voulez vous faire coiffer par Chaplin. Chaplin, avant de faire le dictateur, voulait faire un film sur Napoléon. Et changer d'avis pour faire un film sur le dictateur. Et là, c'est le restaurant. Alors, il y a un peu de plusieurs films forcément qui sont regroupés dans le même. Mais il y a beaucoup de scènes de nourriture et de restauration dans les films de Chaplin aussi. Parce que là, je pense. C'est vrai qu'il est vrai. Oui. Ah, ouais. Alors effectivement, elle n'est pas vraie non plus, mais elle n'est pas non plus dans un film de Chaplin ni en lien avec Chaplin directement. C'est un téléphone. Voilà, elle a un téléphone en smartphone déjà, donc ça ne peut pas marcher. Et puis non, c'est un petit clin d'œil en fait d'avoir un visiteur. Ah, ouais. Ça serait parfait. Hein. Donc là, vous avez des artistes qui se sont inspirés de la vie de Chaplin et puis des extraits de ses premiers courts-métrages. Alors là, vous avez Arturo Brachetti et puis Fellini. Il a commencé en fait avec le cirque et il n'a jamais... Cet amour du cirque, il ne l'a jamais quitté. Non, il a toujours eu... Même à la fin de sa vie, il demandait d'aller voir le cirque. Oui, exact. Ici, vous avez Laurel et Hardy. Ils ont travaillé ensemble ? Alors, ils ont travaillé, oui, mais avec lequel ? J'ai un doute. Je crois que c'était Hardy, au tout début. Et notre Michael, pourquoi il est là ? Et Michael, alors c'est une bonne question. Le fameux moonwalk de Jackson, ouais. Donc la danse, sa danse classique, enfin typique, a été inspirée de la danse de la titine dans le film Les temps modernes. Donc la danse de Chaplin, vous savez, quand il chante en une langue qui n'existe pas et qu'il fait ses petits pas de danse, c'est ça qui a inspiré le moonwalk. Chaplin a quand même beaucoup d'interactions avec la police dans ses films. Hein. Donc c'est vrai qu'il est toujours un peu pourchassé et maltraité par les forces de l'ordre. Il lui a donné un café, c'est Il va sympa, en prison, hein. Oui, quand même, c'est sympa. Et puis la prison des temps modernes. Voilà. Et une fois que vous avez cassé le mur de votre cellule de prison, vous allez dans la banque. Ah oui. Voilà, pour cambrioler les coffres-forts. Et lui, il fait quoi ici ? Eh bien, écoutez. Donc, c'est un chef. Oui, bah voilà. Non, c'est quand même un grand réalisateur et acteur. Il est armé, hein? Oui, mais il va cambrioler tous les coffres qui sont derrière, là. Et lui aussi, il est petit. Ils sont tous petits, c'est vrai, hein? Ouais. Ah ouais, c'est après. À part le méchant, enfin, qui était là Voilà. Les méchants sont toujours grands grand, imposants. Et Chaplin est toujours tout petit et gringalet. Et là, on va chercher quel coffre, alors? Alors là, vous avez les coffres, effectivement, et vous avez surtout beaucoup d'objets originaux de... Voilà, les Oscars. Il en a eu deux. Alors, il en a eu trois. Un d'honneur. Un d'honneur et d'autres pour les musiques. Musique. Voilà. Le et troisième. Le troisième, on ne sait pas où il est. Woody Allen l'avait déjà. Voilà, c'est ça. Et puis là, vous avez la lettre d'anoblissement de la reine Elisabeth. De la reine. Des objets, la canne, les chaussures et le chapeau, exactement. Vous avez aussi son.
son étoile sur, sur Hollywood Boulevard. Donc c'est vrai que, alors on a eu de la chance parce que Chaplin gardait vraiment tout. Ah donc il y a des archives assez conséquentes sur sa vie et sur sa carrière, donc c'est bien. Merci Olivia, c'était une magnifique visite. J'imagine que beaucoup qui auront vu cette vidéo voudront venir ici pour avoir la même joie, le même plaisir que nous. J'espère. Est-ce que vous pouvez leur donner quelques indications? Parce que c'est très facile pour y arriver. Oui. Alors, les prix, les heures d'ouverture, le parking. Bien sûr. On est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche compris, donc au week-end compris. Les horaires d'ouverture, ils varient un peu en fonction des saisons, mais en ce moment, c'est 10h, 19h. Donc vous avez largement le temps de venir pour la journée. Et puis, au niveau des tarifs, on est à... Alors, ça dépend aussi de quand vous prenez votre billet, mais on est autour des 30 francs pour un adulte et 27 pour les plus jeunes. Mais il y a des offres régulièrement, donc vous pouvez aller visiter notre site internet et puis voir les offres qu'il y a en ce moment. Il y a un parking, bien sûr, qui est payant, mais il y a un parking, très grand parking, donc pas de problème de parkage pour les voitures. Il y a également un bus qui s'arrête juste devant, qui part depuis la gare de Vevey. Donc si vous venez en train, vous pouvez venir en train jusqu'à Vevey, puis après en bus jusqu'ici, ou en vélo, ou en moto, ou à pied, voilà, comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi des offres scolaires? Oui, on a des offres pour les groupes d'entreprise, on a des grosses offres pour les groupes scolaires. Donc si vous êtes une école ou une classe ou un camp de vacances ou voilà, un établissement scolaire ou de l'enfance, il y a des offres et on a des spécialistes qui peuvent s'occuper de ça et qui peuvent vous fournir des offres spéciales pour votre groupe, personnalisées. À mon avis, il n'y a pas de raison de ne pas venir. Il n'y a pas de raison de ne pas venir, voilà. Il faut juste regarder la météo pour bien... Pour bien profiter de la journée. Voilà, exactement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et ça a été un plaisir et j'espère vous revoir à un autre moment. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. C'est ici, devant le manoir de Charlie Chaplin, dans la commune de Corsier-sur-Vevey, en Suisse, que prend fin ce reportage consacré à ce monstre du cinéma mondial. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, visitez le musée Charlie's World pour prendre plus de plaisir et sentir l'esprit de cet artiste qui a bercé notre enfance. Avant de nous quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. À bientôt.